Moi, ça les amis, et m'inspirer avec Jésus en forme, c'est un plaisir pour qu'il nous capable de rencontrer aujourd'hui, qui c'est dimanche 27 juin, pour nous voir ensemble, première partie d'une édition d'École Sabbat, pour ce matin. Mais bien avant même qu'il nous rentre dans l'étude là, va nous prier le Seigneur. C'est pour nous bénir, c'est pour nous glorifier, c'est pour nous exalter du siècle en siècle, d'éternité en éternité. Merci Père, parce que chaque jour, vous faites plein pour capable nourrir nous à travers la parole. Tandis que nous allons étudier ensemble, première partie d'une édition d'École Sabbat. Semaine ça, ouvre l'intelligence pour nous comprendre et que mettre tes paroles sur une application qui en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et j'ai que nous connaissons déjà et nous avons un nouveau trimestre, nous avons l'autre kit d'études que nous avons étudié un thème que nous avons pendant tout le trimestre pour nous développer ensemble et se reposer en Christ. Ce thème ça, moi ensemble avec vous, nous avons gagné pendant toute semaine pour que nous soyons capables de développer. Et avant même que nous entrions dans les soins, nous voulons pour une fois encourager, féliciter, et bien, effort que vous-même vous faites chaque jour pour arriver à étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois vous-même vous finissez d'étudier, vous gagnez des voix pour partager les sons avec l'entourage, et pour ça, plus monde capable de gagner accès avec les sons de l'école du sabbat. Jacques Désil, ce matin, nous avons leçon 1, thème lancé, vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Verset à mémoriser. Psaume 84, verset 2, qui s'en dit: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ma version créole, elle dit comme ça: à la belle, car elle est belle, Seigneur, qui gagne tout pouvoir. À la belle, car elle est belle, Seigneur, qui gagne tout pouvoir. Psaume 84, verset 2, c'est texte ça. Nous gagnons pour que nous soyons capables de mémoriser pour ce maintenant. Je dis à nous allons ensemble partie des soins qui titrent comme ça: user et fatigué. User et fatigué. Nous allons ensemble dans Genèse chapitre 2, dans les versets 1 à 3. Nous allons pour qui ça, bon Dieu lui-même, il était créé un jour repos avant même que les hommes soient fatigués, avant même qu'ils soient connus fatigués. Nous allons pour qui ça, bon Dieu lui-même, il te baille un jour, il est capable de reposer. Genèse chapitre 2, nous allons verset 1 jusqu'au verset 3. Comme ça, bon Dieu définit le ciel là, la terre ensemble avec tout ça qu'il a donné. Sous 6 jours, bon Dieu définit fait tout ça qu'il a fait. 7e jour, il suspend le travail. Il bénit 7e jour, il mettait la barre pour lui. Parce que c'est juste ça, il était suspendu de travail, après il était fini de créer tout ça, il a créé. Eh bien, nous, avant même que bon Dieu, il était, avant même que l'humanité était rentrée, eh bien, dans une vie qui est stressante, eh bien, nous, bon Dieu, il était déjà mis un jour pour que les hommes soient capables de rafraîchir les mémoires, pour que l'homme soit capable de connaître le repos. Eh bien, et juste ça, c'est un jour pour que nous suspendions de travail. Et c'est un jour que nous sommes capables de jouir et bien, de façon libérée la vie que bon Dieu lui-même nous donne, tout don que bon Dieu nous donne. Nous, juste à part, c'est un jour et bien, pour nous célébrer particulièrement Créateur nous, pour don que nous donne, c'est-à-dire le don de la vie, l'air, l'eau, la nourriture, et les regarder les fleurs, les regarder les animaux que bon Dieu créé, et bien, dans juste à part, et bien, nous devons célébrer bon Dieu pour tout le bagay sa yo ke li menm li realize nan la vi nou, pou tout don sa yo ke li ofri ansanm avèk nou. Se pa yon invitation ki ekspire, se da dire se pa yon bagay ki te la depi an Eden epi kounya ki pa eksiste ankon. Men nou wè bon Dieu vle rassure l ke invitation sa li rete jiska la fin de tan ki tout jenerasyon e ben kapab konnen epwèv tan sa. E nou wè depi ou komansman, bon Dieu te entegre repos sabat. Eh bien, dans le tissu même du temps, et toujours, bon Dieu a toujours invité sans cesse l'homme pour qu'il soit capable de célébrer paisiblement la création de bon Dieu. Eh bien, chaque 7e jour, eh bien, chaque fois 7e jour, lui-même est arrivé, lui rappeler nous que bon Dieu, eh bien, il était créé, tout bagaille, eh bien, nous-mêmes, nous appelons pour qu'il soit capable de célébrer bon Dieu pour tout bienfait ça, qu'il est manifesté dans la vie. Nous. Eh bien, nous capables de penser aujourd'hui à. Avec tout les dispositifs que nous gagnons pour que nous capables de travailler, eh bien, nous devons moins fatigués physiquement par rapport avec les gens qui vivent, eh bien, 200 ans avant nous. Mais nous, malgré nous avons toutes les bagages à disposition aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché nous manquer de reposer. Mais ça n'a pas empêché nous manquer de sommeil.
Et bien nous ouais et même les nous la caille nous pas le travail quand même n'a vinn nos bagages pendant nous la caille là pour nous faire n'a vinn nos bagages quand même n'a engagé nous n'a bien nos activités quand même c'est-à-dire nous ouais il paraît toujours et ça paraît toujours et d'une certaine manière ou d'une autre et bien quelque soit ça n'a fait que nous ici ou bien nous pas réussi n'a toujours senti nous besoin tant ou bien n'a senti nous manquer tant. Et bien recherche montre également que nous dormons moins et que en plus monde nous dépend de caféine pour être capable de résister pour continuer de travailler et bien pour ne pas dormir. Bien que nous gagnons téléphone portable qui est plus rapide, malgré nous gagnons des ordinateurs qui paraissent plus performants, nous gagnons des connexions d'internet et bien qui est plus rapide, mais jusqu'à présent nous sentis nous manquons tant malgré nous avons ensemble des choses qui fait travailler nous aller plus rapide, mais ça pas empêcher que même ensemble avec vous nous toujours sentis nous manquons tant. Et pour nous allons nous voir les 5 textes qui nous viennent dans la Bible qui va apprendre nous un qui va nous donner quelque importance. Mais sur ça, nous allons repos. Premier texte, c'est Marc, chapitre 6. Nous allons dans verset 31. Nous allons aller bien rapide dans le texte. Nous allons aller bien rapide dans Marc, chapitre 6. Nous allons aller verset 31. Laisse ça. T'es si tellement de monde qui t'a allé venir. Jésus dit à Dizio, pas même de temps pour manger. C'est peut-être ça, Jésus dit disciple. On a loué yon côté, on a loué yon côté qui va gen moun pour nous prendre yon petit repos. Yon l'autre texte encore que nous allons lire, c'est Somme chapitre 4, nous allons lire dans verset 8. Bien rapide, nous allons lire texte ça. Somme chapitre 4, verset 8. Moi monte cabane moi à quai posé. Moi couché, dormi bon. Seigneur, c'est vous-même qui pas bien quitter en rien arriver. L'autre texte que nous allons lire bien rapide là, nous allons aller dans Exode chapitre 23, nous allons lire dans verset 12. Exode et chapitre 23, nous allons lire bien rapide dans le texte. Nous allons lire dans verset 12. Texte ça, c'est un texte qui a montré l'importance que le repos à lui-même lui gagne. Exode chapitre 23, verset 12. N'a travaillé 6 jours, mais 7e jour, n'a suspendu travail, n'a pris repos. Comme ça, bœuf nous yo ak brout nou yo, moun kap servi ak nou yo ensemble ak étranger ki la kay nou yo, va ka pran repos tout. Et bien, nous voyons l'autre texte, c'est dans Deutéronome chapitre 5, verset 14. Nous voyons rapide dans le texte, Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 5, au lieu de Deutéronome 15. C'est Deutéronome chapitre 5, nous allons lire dans verset 14. Mais c'est septième jour, c'est jour pour Seigneur, bon Dieu nous. Jour ça, nous pas fait aucun travail, ni ou même, ni petit garçon, ni petite fille, ni petit garçon qui travaille la caille, ni bœuf nous, ni bourrique, ni aucun autre bête nous gagne, ni moun l'autre nation qui était la caille nous. Comme ça, ni femme, ni garçon qui travaille la caille nous. Qu'après repos même gens à nous. Dernier texte que nous allons lire c'est Matthieu chapitre 11 verset 28. Nous allons aller bien rapide dans le texte pour nous voir qui ça lui enseigne nous concernant importance repos. Matthieu chapitre 11. Nous allons aller dans verset 28. Matthieu chapitre 11 verset 28. Mais qui ça dit? Vigne jeune moi nous tout qui bouquet nous tout qui en bachaille m'a soulagé nous. Et bien nous bon Dieu qui créé nous hein lui connaît nous t'a besoin d'un repos physique et c'est ça que fait bon Dieu t'a établi un cycle dans le temps li ba nous la nuit pour nous capable reposer et en plus li ba nous le sabbat pour que nous capable reposer c'est-à-dire bon Dieu ba nous sabbat avec la nuit pour que nous capable reposer nous physiquement. Et bien, les gens qui reconnaissent que Jésus comme étant et bien, sauveur, et bien, ça implique également pour qu'ils soient capables de prendre responsabilité, pour qu'ils soient capables de créer le temps, pour qu'ils soient capables de reposer. Après tout, et bien, parole, c'est que nous venons dans Exode chapitre 20, qui dit il faut que nous songions sur le sabbat éternel pour nous reposer. Ce n'est pas une suggestion que bon Dieu fait nous, mais c'est un commandement que bon Dieu fait nous pour qu'ils soient capables de respecter, pour qu'ils soient capables de suivre, pour nous marcher selon volonté. Et bien, réflexion que nous avons pour journée. Qu'en est-il
de propre expérience fatigué, tourmenté que vous faites ici-bas. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour mieux expérimenter physiquement et spirituellement le repos que bon Dieu lui-même lui bat nous. C'est-à-dire pour nous gagner, hein? Et bien, pour repos bon Dieu nous gagner, comment nous sommes capables de faire pour que nous sommes capables d'expérimenter tant sur le plan spirituel et tant sur le plan physique. Et bien, en gros, c'est une étude qui ça que nous avons aujourd'hui à user et fatigué. Avant même que nous allions, à nous prier le Seigneur. Nous faisons louange pour vous, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour parole. Aidez-nous pour que nous capables de mettre en application et qu'on s'en va vivre, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas mériter, mon papa, mais nous le consacrer à Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.